Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo animation. Cette fois-ci on est dans la ville de Millau au bord du Tarn. Une très belle rivière, principalement peuplée de truites, il y a du chevesne. Je sais que c'est principalement les deux espèces. On se retrouve pour l'animation de la box ultra léger du mois d'avril, une box spéciale Volcan Soul. Une marque que vous commencez sûrement à connaître, qu'on a déjà mis dans pas mal de box. Une marque bien sympatoche avec un bon rapport qualité-prix. Je vous rappelle qu'on a déjà fait, enfin je vous ai déjà fait la grande vidéo où je vous présente toutes les box. Ça s'affichera sûrement dans les petites fiches au-dessus de moi, logiquement c'est en haut à droite. On va passer directement sur les produits qu'il y avait rapidement à l'intérieur. Vous avez deux petits trucs sympatoches, bobines de fluoro en 50 mètres si je ne dis pas de bêtises, toujours de chez Volcan Soul vu que c'est une box Volcan Soul. Donc pour faire vos balines, soit si vous êtes en tresse pour être plus discret, soit si vous êtes en nylon si vous voulez vraiment être très discret. Et ensuite bobines de nylon si vous voulez tout simplement garnir votre moulinet. Si vous êtes en tresse et que vous décrochez trop, essayez le nylon, et si votre nylon est mort, ça vous fera un petit peu de nylon en plus. On va passer directement sur le premier leurre. Donc c'est le mini Hurricane SB de chez Volcan Soul, un petit micro spinnerbait, une catégorie de leurre que j'affectionne particulièrement, surtout si vous débutez, que vous savez pas trop avec quoi pêcher, prenez des micro spinners. C'est très simple, ça pêche partout, ça pêche tout le temps, ça pêche de tout. Principalement on va faire du lancer ramené avec, vous pouvez aussi faire d'autres animations pour varier un petit peu, mais c'est vraiment un leurre basique qui se perd pas beaucoup. Là, en plus il est monté en hameçon simple, donc ça accroche beaucoup moins qu'avec un trip, ça abîme moins les poissons, ça décroche pas beaucoup plus. Donc vraiment un petit produit sympathique et en plus est vraiment pas très cher, un super bon rapport qualité prix. On va passer rapidement, pendant que je me fais attaquer par je sais pas trop quoi, on va passer rapidement sur l'animation. Donc l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué, donc comme je vous ai dit on est sur la rivière le Tarn. On va vraiment essayer, surtout que sur là j'y crois quand même, peut-être de faire un petit chevesne, ça serait vraiment cool. Donc on va faire un petit lancer. Là honnêtement je vais laisser couler parce que là je sais pas si vous allez le voir à la GoPro, on a quand même une jolie fosse devant, donc je vais essayer de laisser couler un petit moment pour essayer d'aller voir un petit peu au fond, et ensuite je vais tout simplement faire lancer ramener. Mouliner tout doucement, logiquement c'est des leurres qui se mettent en action très rapidement, il n'y a pas besoin d'aller très vite, vous pouvez aller très vite si jamais les poissons sont énervés, mais quand les poissons sont un petit peu plus calmes, vous pouvez essayer de faire vraiment une animation relativement lente. Là en plus on a un moulinet qui ramène relativement rapidement, donc on va essayer de refaire un petit lancer un petit peu plus dans le trou là-bas. Là-bas, il y a une sorte de contre-courant, on va laisser couler avec la bannière légèrement tendue, histoire que si jamais je prends une boîte, je la sente à la descente. Ça arrive relativement souvent à la descente que vous preniez une grosse décharge avec ce genre de leurre-là. Ah, bah là, je pense que j'ai chopé du pigeon pour l'instant. On passe directement sur le deuxième produit. Malheureusement, j'ai tenté, j'ai fait quelques lancers avec le premier. Leurre un petit peu léger pour le poste. On va quand même essayer avec le deuxième. Donc là, cette fois-ci, toujours chez Volcan Soul, mini Hurricane SP, c'est une sorte de cuillère. Alors, j'ai pas vraiment le nom du type de leurre. C'est un mix vraiment entre un train de jig et une cuillère tournante. Vraiment un truc sympathique avec un poids bien désaxé sur l'arrière. Avec toujours pareil, monté en hameçon simple. Donc là ça va être à peu près le même principe que l'autre, vraiment un leurre très polyvalent qui va vous permettre si vous avez du mal ou vous commencez d'avoir un leurre simple qui va pas avoir besoin d'une animation très compliquée pour prendre du poisson. C'est vraiment je pense le truc principal de cette box, c'est vraiment des leurres relativement simples pour vous aider tout simplement à prendre du poisson et pas vous prendre la tête à faire des animations de folle. Alors l'animation, on va passer directement, on va peut-être essayer de jeter un poil plus à droite où il y a moins de fond, parce que le leurre est un petit peu plus léger, logiquement je crois qu'il fait à peu près 2,5 g. Donc on va essayer, hop. Donc là pareil, on va pas vraiment passer sur l'animation compliquée, on va faire du lancer ramener. Vu que c'est des leurres quand même assez denses, là vu qu'il y a du fond, j'hésite pas à laisser couler, n'hésitez pas, des fois. Donc soit vous faites votre premier lancer, vous peignez la surface, donc c'est-à-dire vous lancez, vous ramenez directement, et des fois, le deuxième lancer, si vous avez vraiment un endroit avec du fond, et que vous voyez que peut-être pourrait y avoir du poisson qui pourrait se trouver soit à mi-hauteur, soit un petit peu plus profondément, à tout simplement laisser couler votre leurre, soit à mi-hauteur, soit jusqu'au fond, pour essayer de peigner une couche différente, et peut-être pendant la descente ou pendant la récupération, essayer de provoquer une touche que vous n'auriez pas provoquée lors de la première animation, quand vous étiez trop haut. Donc là, voilà, j'ai laissé couler. Hop, et on ramène tranquillement. Vous pouvez varier la vitesse de récupération, soit très lentement, c'est des leurres qui tournent relativement à faible vitesse, soit de temps en temps, n'hésitez pas à faire des grosses accélérations, ça peut toujours déclencher un poisson, on sait jamais. Là, on va profiter qu'il n'y ait pas trop de rafales devant, voilà, pour essayer d'aller gratter un petit peu plus loin, gratter 2-3 mètres. On va se laisser couler. Essayez de bien visualiser votre fil, là je sais que je vois mon fil sur l'eau, si jamais il y a la moindre chose qui se passe, si jamais votre fil part à droite, à gauche, si vous ne le sentez pas dans la canne, essayez vraiment d'avoir votre fil à l'œil. Là je vois que je suis au fond parce que ma bannière s'est détendue, et donc là on va essayer de ramener un peu plus lentement, mais malheureusement, il n'y a pas papa chevesne qui serait intéressé par une petite cuillère, c'est pas grave. On va passer sur un autre produit, on va continuer.
Troisième leurre de la box, donc on va continuer à essayer. Celui-là, j'y crois un petit peu plus. Donc là, c'est le Marker 60S, toujours de chez Volkensoul. Donc un jerk à flanc plat, qui est logiquement plus fait pour le type de poste qu'on a devant nous, c'est-à-dire quand même un courant qui n'a pas l'air très fort, mais je pense qu'au fond, ça doit quand même bien accélérer. Donc là, c'est vraiment un leurre fait pour aller dans les courants à flanc plat, qui est censé bien tenir le courant, qui est censé rester droit, avoir une nage toujours attractive, même dans des courants forts. C'est clairement très typé truite, mais les jerks, ce genre de jerk là, faut pas avoir peur d'essayer sur de la perche, sur du cheven, ça peut toujours être actif. On va passer au niveau de l'animation. Donc là, cette fois-ci, j'ai un poste qui pourrait ressembler à des rivières que vous allez pouvoir pêcher vous quand vous allez pêcher des truites. Alors, on va éviter de laisser le petit nœud. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir devant moi, je pense que vous allez voir, j'ai quand même un gros courant, une grosse veine d'eau qui passe au milieu. Même si vous pêchez sur les petites rivières, les postes vont se ressembler. Souvent, vous allez avoir vraiment un courant principal et des fois un calme sur le côté ou une fosse. Là, ce que je vais vraiment essayer, c'est tout simplement de pêcher le courant principal. Il y a un peu de vent, ça ne va pas être évident. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, le but, déjà, ça se jette beaucoup mieux. Ça va être vraiment de jeter dans le courant et de me laisser dériver. Déjà, je vais me laisser couler un peu pour essayer vraiment d'aller prospecter un peu plus profond. On est quand même toujours en début de saison. Et en fait, je vais mettre des petites animations en essayant de rester dans le courant. Donc là, je suis revenu. Donc là, je sais pas si vous voyez comme je fais. En fait, je mets à chaque fois deux petites tirées comme ça pour faire en fait désaxer le leurre. Donc le leurre va faire un petit droite-gauche, il va faire un petit peu n'importe quoi. Ça va essayer d'imiter un poisson, on va dire, soit qui est en train de fuir, soit qui est, je sais pas, qui est pas tout bien, qui est un petit peu malade. On va essayer de relancer, là, il n'y a pas de vent, d'aller voilà, un petit peu plus loin, vraiment dans la veine de courant. Là, je vais essayer de me laisser couler. Faites attention à la descente, c'est pas évident, surtout quand il y a du courant, que le courant tire votre bannière et qu'en plus le vent tape dedans. Donc c'est pas évident de sentir la touche. Et ensuite, voilà, hop, deux petites tirées. Et à chaque fois, je vais vraiment essayer en fait de me déplacer dans la veine d'eau en suivant le courant et essayer le plus possible de passer devant les obstacles. Donc quand on ne connaît pas la rivière, c'est pas évident. Quand vous la connaissez, essayez vraiment de passer devant les cailloux, devant les enrochements pour essayer de passer en fait devant les cages détruites ou devant les spots de chasse. Dernier produit de la box Volkensoul. Malheureusement, celui d'avant n'a pas non plus fait de poisson. J'ai quand même un petit peu essayé dans la veine de courant, mais je vous avoue que c'est compliqué. Il y a pas mal de courant, il y a le vent en plus qui souffle en travers, c'est pas évident. Donc là, dernier produit, un produit très sympatoche. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas mis, surtout dans les trois dernières boxuelles. C'est un petit crankbait, c'est le Desmo Crank 35F, toujours de chez Volkensoul. Monter en plus en hameçon simple, ça je trouve ça vraiment super. Comme d'hab, ça va permettre simplement de moins abîmer les poissons, surtout les truites. Donc un petit crankbait qui va vous permettre de pêcher un petit peu différemment. Moi généralement ce que j'aime bien faire, donc ici je vais pas pouvoir le faire, mais c'est vraiment pêcher les bordures avec les cranks. Vraiment essayer de longer les bordures pour déclencher des poissons qui sont cachés dans leur cage, vraiment dans les bordures. C'est des leurres un petit peu plus de réaction qui vont pas marcher tout le temps, mais que je vous conseille vraiment d'essayer de temps en temps pour essayer vraiment de déclencher des poissons. On va passer directement à l'animation. Donc là vous allez voir, c'est pas compliqué, je vais vraiment essayer de jeter où il n'y a pas trop de fond, parce que là avec le vent ça va être très compliqué. Et encore ça va, hop, on va essayer d'aller là-bas. Donc là vraiment pas compliqué, lancer, ramener, classique du cranking. Vous lancez, vous ramenez. Pareil, n'hésitez pas de temps en temps à faire des petites pauses ou à varier la vitesse de récupération. Donc par exemple vous mettez une grosse accélération, petite pause, vous repartez tranquillou. Voilà, essayez de ne pas faire une nage trop monotone. Des fois ça peut marcher, mais des fois ça peut vraiment être cool de vraiment varier un petit peu, de passer du menu normal au menu maxi best of par exemple. Donc vraiment voilà, hop, on fait du lancer ramené classique, une pause, une petite accélération, on ralentit un petit peu, on peut faire une petite pause. Ça va dépendre de l'humeur des poissons. Si vous voyez vraiment que les poissons sont chauds, n'hésitez pas des fois à faire vraiment des lancers ramenés très rapides, très soutenus. Des fois les poissons, ça va vraiment les faire monter, ils vont être fous. Si les poissons sont plus mous, ralentissez votre animation et peut-être que ça vous permettra de déclencher. On va tenter un petit lancer en travers du vent, on va essayer comme ça, canne basse. Si vous mettez la canne basse, logiquement vous allez pouvoir aller un petit peu plus profond. Ça va vous permettre d'accompagner un peu plus le leurre et vous allez peut-être pouvoir gratter 20-30 cm de profondeur. Ça peut toujours être cool. On va essayer de remonter légèrement à contre-courant et on va voir. Malheureusement ça sera pas pour cette fois-ci, là je vous avoue que les conditions sont pas évidentes. Donc c'était le petit Desmo Crank. J'espère que cette boxuelle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook, Instagram, c'est là qu'on poste la plupart de notre actualité. Moi je vais gentiment enchaîner sur les autres box. Je vous invite à aller tout simplement suivre les actus aussi sur YouTube, c'est là qu'on sort toutes les vidéos. Donc là vous pourrez trouver toutes les vidéos des animations. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.